Peut-être même de plus loin, pour venir vous rapprocher du Seigneur, vous rassembler près de lui, l'adorer, vous prosterner, participer à sa nature, vivre l'action de grâce en Dieu, avec Dieu. En cette nouvelle année 2021 qui commence, demandons au Seigneur de nous remplir de sa présence pour faire grandir en nous le sens du pardon, la force de sa miséricorde.
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Pendant que nous chantons le gloire à Dieu, je vous invite à vérifier que vous avez la bonne distance entre vous si vous habitez dans des maisons différentes. Il y a suffisamment de place dans l'église. On y va! Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière. Et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse. Ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer, et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Parmi toutes les nations, Seigneur, connaîtra ton salut. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les pays le serviront. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Quoi. C'est parfait. C'est très bien. Parce que vous faites exactement comme ce qu'ils font. Enfin, pas tous. Les mages. Je ne sais pas si vous avez des têtes de mages. Peut-être que parmi nous, on pourrait trouver Gaspard, Melchior et Balthazar. Vous avez remarqué que ce n'est pas donné dans la Bible, hein, les noms. Vous avez remarqué aussi qu'ils ne sont pas rois. La seule chose qu'ils font, c'est qu'ils posent une question pour un champion. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Oula! Alors là, ce n'est pas une réponse sur quatre où on appelle quelqu'un. Non, non, là, Hérode, il appelle à tout le monde. Venez tous au secours! Il y a une question là. Ça me gêne, il est bouleversé, le pauvre, et tout Jérusalem avec lui. Aïe, 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 qu'est-ce qui nous arrive? C'est qui celui-là qui veut me piquer la place? Vous avez pu remarquer que, à la question qui est posée, une réponse est donnée. Au bout d'un moment, ils ont fini par trouver. Ils sont allés chercher dans le prophète Michée
cette belle réponse que nous venons d'entendre. Très bien. Parfait. À partir de là, il n'y aura plus aucune parole. Plus aucune. C'est fini. Tout va se passer sur du fait et non pas du dire. Intéressant. Alors allons-y, regardez de plus près. Mais pour y aller de plus près, il faut repartir de tous ces lieux qui sont cités. Tarsis, bon, vous savez, c'est Tars. C'est la même chose. C'est le sud de la Turquie. Les îles, on pense à Chypre, on pense à Malte, on pense à la Crète, on pense aux îles grecques. Ok. Ensuite, on nous dit Saba. Saba, c'est un petit royaume à l'intérieur de l'actuel Yémen. Ça vient de loin. Madian, c'est la région située près du golfe d'Aqaba, au sud de la Jordanie, dans le nord de l'Arabie saoudite actuelle. Ça vient de partout. Tous les peuples, toutes les nations, nous aussi avec, parce qu'il n'y a pas une question de temps dans l'affaire, c'est une question de lieu. Tous les yeux sont tournés vers un seul, la maison du pain. J'y reviendrai. Mais tous ces lieux qui sont tournés vers cette maison, entre parenthèses, hein, c'est plus une mangeoire, hein, c'est une maison. Entre-temps, ils ont trouvé un lieu pour habiter. Donc, ils avaient bien un peu d'argent quand même, hein, au passage. Ou alors, ils avaient de la famille. C'est normal, on est à Bethléem, et à côté, il y a Ein Karem, il y a Jérusalem, il y a du monde là. Marie, elle a toute la famille. En tout cas, tous les regards sont tournés vers ce lieu. C'est l'universalisme qui déjà est annoncé par le prophète Isaïe et qui est encore souligné chez saint Paul dans la lettre que nous avons lue, où on nous dit que toutes les nations sont associées à cet héritage et à ce même corps, que toutes les nations partagent la même promesse, que cette révélation, ce mystère est maintenant révélé grâce à l'Esprit Saint par les prophètes et les apôtres. Là encore, saint Paul fait l'unité des deux testaments, magnifique, intéressant chez lui. Universalisme qui nous renvoie à un système cardiaque. Le cœur se dilate. De partout, le cœur se dilatera à la vue de la révélation du salut. Waouh ! Le cœur se dilate. Ça veut dire que le sang circule, que la vie jaillit. Les globules rouges, vous savez, ils transportent l'oxygène. Et plus ça bouge, mieux c'est. Pas trop vite quand même, hein ? Hein, Josette ? Pas trop vite. Il ne faut pas que ça s'emballe, la machine, sinon après ça ne va plus. Mais tant qu'il y a de l'oxygène, il y a de la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a le salut, la lumière dans l'Évangile. Bon. Tout ça est bien. Tout ça est bien, mais alors qu'est-ce qui se passe? On nous dit « Sur toi la gloire, la kavod, hein ?» Je ne vous le refais pas, la kavod. La fameuse ombre de Dieu qui éclaire de sa lumière. Étonnant, hein, toujours. Mais alors qu'est-ce qu'ils font? Quand ils arrivent, hein, ils ont entendu, d'abord Hérode, ils ont entendu, hein. Nous, des fois, on entend aussi. On entend, mais c'est tout, on n'écoute pas. Et ils ont bien fait. Ils ne se mettent pas à l'écoute d'Hérode, ils n'ont pas besoin de le faire. D'ailleurs, à la fin, on voit qu'ils ne repassent pas par le même chemin. Ce n'est pas bon de repasser par le même chemin. Quand on a pris une route, on poursuit la route,
et on la poursuit. Si on doit revenir chez soi, on passe par un autre chemin. Ils ont été transformés. Ils ne peuvent pas repasser par le même chemin. Il s'est passé quelque chose. Ils ont été transformés, eux aussi. Et qu'est-ce qui les a transformés? C'est tous ces verbes qui défilent, qui sont égrenés là dans ce texte et que je vais vous donner peu à peu. Ils marchèrent. Marcher. Ils marchent. Comme le peuple dans le désert. Comme les disciples de Jésus en Galilée. Ils marchent. Marcher, ça fait du bien. C'est bon pour la santé. Ça permet de ne pas rester statique, d'avancer vers quelque chose qui nous fait advenir à autre chose. Ils marchent. Ayant vu l'étoile, ils se réjouissent. Ce n'est pas une vision classique. C'est une vision qui permet de se réjouir, d'être heureux. Voir quelque chose qui rend heureux. C'est plus qu'une contemplation. Ils entrent dans la maison. Ils entrent dans la maison où il y a Jésus. Imaginez, vous êtes assis là, vous êtes dans l'église, vous êtes entré pour voir Jésus. Il est dans le tabernacle. Et si vous entriez dans le tabernacle, imaginez un instant que vous entrez dans le tabernacle et que vous êtes en contact direct avec lui. Pourquoi pas? C'est un peu là ce qui se passe pour eux. Ils sont entrés dans la maison, ils voient Jésus, ils tombent et se prosternent. Des fois, on manque ça. Quand on entre dans l'église, on fait autre chose que d'être un instant avec Jésus. Des fois, je pense à Hélène qui, quand elle arrive, attends, je dis bonjour à Jésus. Elle fait son petit signe de croix et après, elle nous parle. Des fois, tu fais ça, hein? Et c'est très bon. Et c'est très bon. D'abord lui. D'abord lui, peut-être dans le silence. Après, on verra les amis pour leur souhaiter la bonne année et on parlera. Mais d'abord, on est avec lui. Et c'est bon d'être avec lui. Ils ouvrent leur trésor. Quel trésor vous allez ouvrir? Ah ben, je vais vous dire un peu parce que c'est expliqué après. Ils ouvrent leur trésor et apportent des présents. Ils offrent. Ah, vous me voyez venir, où je veux en venir, hein? Qu'est-ce qu'ils peuvent offrir? On nous dit qu'ils offrent de l'or. C'est la richesse du monde. Oui, notre monde est riche. Notre monde est riche de beaucoup de choses, pas ça. Au travers de l'or, c'est pas ça. C'est tout ce que le monde comporte et qui vient se mettre aux pieds de Jésus-Christ. C'est énorme. C'est ce que nous faisons quand nous venons à la messe. Nous apportons le monde pour l'offrir au Christ, pour l'offrir à Dieu. L'or. Qu'est-ce qu'ils apportent encore de leur trésor? L'encens, la prière. Ils viennent prier. Ils apportent l'élément qui facilite la prière. Vous allez me dire, des fois ça pique un peu le nez, hein? L'encens. En tout cas, ça purifie l'air. Au début, là, le premier confinement, la première chose que j'ai faite, j'ai allumé les 4 encensoirs ici, dans l'église fermée à double tour, pour essayer peut-être de purifier l'air. Je ne sais pas si j'y ai gagné quelque chose, mais en tout cas, l'encens dit le lien à cette communication entre nous et Dieu.
les richesses du monde, notre prière, la myrrhe. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir vous sortir sur la myrrhe? La myrrhe, c'est bien le parfum que l'on utilise pour embaumer les morts. C'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on va offrir avec la myrrhe? Nos propres vies, nos propres morts. Nous venons déposer, comme les mages, au Christ, nos propres vies, nos propres morts, pour que lui les transforme. Mais dites-moi, si ça s'est fait une fois, là, dans le texte de Matthieu, ça se répète éternellement depuis des années et des siècles, lorsque nous célébrons la messe, tout ça. Les richesses du monde, notre prière, nos vies en offrande pour que le Christ les transforme. Voilà ce que les mages viennent faire et qu'ils nous proposent à notre tour de faire avec eux. Finalement, ce texte de l'Épiphanie est une très bonne catéchèse pour comprendre le sens de la messe, de ce que nous venons faire à chaque fois que nous nous réunissons et que nous vivons la fraction du pain. Je vous disais tout à l'heure que ça se passait à Bethléem. Et oui, c'est la maison du pain. Poursuivons notre Eucharistie en vivant cette action de grâce, venant nous prosterner, adorer le Seigneur qui transforme nos vies, si nous voulons bien lui ouvrir nos trésors. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue la lumière, crie le prophète Isaïe. Seigneur,
Toi qui es lumière, vois nos prières et éclaire notre chemin de vie. De la crèche, une promesse de paix. Prions pour les chefs d'État qui cherchent à assurer la paix entre les nations divisées. Ont reconnu dans l'enfant de Bethléem une promesse de douceur. Prions pour que les pauvres, les démunis, trouvent dans nos communautés le visage du Christ compatissant. Reconnu dans l'enfant de Bethléem une promesse de générosité. Prions pour que les chrétiens de nos pays soutiennent le dynamisme des églises d'Afrique. L'amour de Dieu pour les hommes qui recherchent un sens à leur vie. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir écouté nos prières en ce jour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique, qui partage éternellement ta propre gloire, s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François-Xavier, Saint Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène-toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Il faut quelqu'un pour diriger un feu là. C'est pas mal. Ensemble, nous disons avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous par là. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez un geste de paix en respectant les consignes sanitaires en vigueur. Yeah.
là, ce chant est un chant sas. Il remplit le vide pendant que le prêtre fait la prière. Donc normalement, c'est pas trois fois, on s'en fout des trois là. Ça continue tant que le prêtre n'a pas fini, ou quand il a fini, on s'arrête. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'histoire des trois là. On s'en fout ça. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Approchez-vous, soyez bénis.
Que la clarté de nos Seigneur nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, sauf ceux qui donnent la communion.
porter la communion à nos frères et sœurs, que le Seigneur vous remplisse de sa vie qui est lumière pour toutes les nations, Père, Fils et Saint-Esprit. Bon, attention, il faut bien garder en tête toutes les indications du protocole. Hein. Le masque sur le nez, on ne bouge pas trop dans l'église et on ne parle pas trop. Le gaz carbonique, c'est pas bon. Ensuite, pour la communion, n'oubliez pas, on garde le masque. Hein. Quand vous entrez, vous prenez la feuille de champ éventuellement si on ne vous la distribue pas. Et quand vous la prenez, d'abord, vous mettez le gel hydroalcoolique. En sortant, il y a les feuilles du mois, pour ceux qui ne les ont pas. Elles sont en mode papier. Il n'y en a pas beaucoup, c'est fait exprès. C'est pour ceux qui n'ont pas Internet. Donc, avant de la prendre, vous mettez le gel hydroalcoolique. On va y arriver, hein? Ensuite, pour la semaine qui vient, c'est la rentrée scolaire, on va voir comment ça se passe. J'ai demandé aux enfants qui se préparent à la première communion de venir samedi prochain. Je n'ai pas eu de réponse, ça veut dire que c'est oui, j'imagine. C'est ça? Tu seras là? On marche? Voilà, ça c'est bon. Je voulais quand même vous souhaiter une très bonne année 2021. De toute façon, elle sera sans doute meilleure que 2020, mais c'est surtout la santé. La santé, et je vous souhaite de pouvoir vivre avec ce regard des mages, comme aujourd'hui, en contemplant l'humanité telle qu'elle est, comme les mages ont contemplé le Christ tel qu'il était. Voilà. Et puis, je vais vous envoyer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, des petites choses à votre réflexion. Parce qu'il faut continuer quand même la vie pastorale. Il y a des choses à faire. Donc, voilà. Vous allez recevoir du courrier, ou par mail, ou en mode papier, vous le distribuant de manière à avoir votre avis. Et puis ensuite, on verra avec le conseil pastoral qui ne s'est pas réuni depuis longtemps, voir comment on va faire. Voilà. Et puis l'équipe pastorale, ben, il va falloir qu'on se retrouve aussi pour voir un peu comment avancer. Alors, les modes de réunion préférentiels sont distanciels pour le moment. On va voir comment organiser ça. J'ai sollicité là, ces derniers jours, le groupe biblique du parcours Paul Bonny pour qu'il puisse se poursuivre sa réflexion avec le parcours en mode distanciel. C'est possible dans la mesure où les gens ont l'ordinateur et que quelqu'un soit OK sur le mode de fonctionnement. Le mode apparemment le plus facile, c'est Zoom. Mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, hein. Donc n'hésitez pas. Entendez-vous, ça peut fonctionner comme ça. Le groupe biblique avec un point de préférence aussi, puisque nous ne sommes pas dans une période favorable au niveau des chiffres liés au Covid. Seul le soutien scolaire peut éventuellement continuer dans la mesure où ils ont des enfants et des jeunes, puisque c'est une personne et une personne, avec la distance nécessaire et les masques requis. Ça devrait fonctionner. Voilà pour l'instant, je crois que j'ai fait le tour de la question, sauf si quelqu'un veut me dire ou me rappeler quelque chose. Pour l'accueil, je vais vous envoyer dans la semaine quelque chose pour savoir comment reprendre ou poursuivre l'accueil, à aménager de manière... voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. La semaine prochaine, c'est le baptême du Seigneur.
Qui dit baptême du Seigneur dit aspersion d'eau bénite. Pensez-y les équipes de liturgie. Saint François-Xavier, pour l'instant, j'ai personne, mais ça va se faire dans la semaine. J'imagine il y a des miracles, des fois. Ça marche. Ah, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais, c'est bon. Mais voilà, pensez à l'aspersion. Le baptême du Seigneur. Il faut bien que je vous arrose un peu de temps en temps. Et il faut bien arroser la nouvelle année. On ne peut pas le faire en buvant, donc. Voilà. Tout va bien? Bon, c'est bien, vous êtes venus assez nombreux, mais de manière raisonnable, de manière à pouvoir tenir dans l'église. Il y a encore des places. Hein. C'est bien. En sortant, il faut penser à ouvrir les portes centrales en vérifiant qu'il n'y ait pas de meubles derrière. En sortant, n'oubliez pas, je sors en premier et ensuite vous sortez en commençant par les bancs les plus près de la porte et en finissant par les côtés là, ceux qui sont les plus proches de moi. D'accord ? Pensez-y. Voilà. Et on porte dans la prière tous ceux qui ont en ce moment des petits soucis de santé, même si on ne les voit pas, même si on ne les connaît peut-être pas, mais de nom peut-être on connaît, donc voilà, on y pense. Et puis tous ceux qui vivent des difficultés, on peut avoir une pensée pour le jeune homme qui se met maintenant devant la poste, qui est SDF, voilà, qui s'est bien installé. Hein. Voilà. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance. Et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Et je remarque que les chemins, c'est au pluriel. Hein. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages cherchaient en se guidant sur une étoile. Votre Seigneur est le Christ, lumière née de la lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et tout notre cœur n'est plus de moi.